Est-ce que ça vous intéresserait de gagner de l'argent en copiant-collant tout simplement des vidéos et des vidéos que vous n'avez même pas besoin de créer? Si la réponse est oui, restez extrêmement attentifs. On va utiliser pour ça une plateforme qui est très peu connue mais qui attire un trafic immense. Ce n'est pas YouTube, même si on va utiliser YouTube de manière détournée pour sourcer nos vidéos. Juste avant, pour recevoir les démonstrations de logiciels marketing qui sont inédits en France pour exploser vos résultats en ligne, vous pouvez vous inscrire dans le lien qui est dans la description de cette vidéo. Donc, je vous montre tout de suite la méthode que vous allez pouvoir utiliser immédiatement pour gagner de l'argent en copiant-collant des vidéos qui ne sont même pas forcément les vôtres. Alors, la première étape pour gagner de l'argent en copiant-collant des vidéos, c'est de faire un sourcing de vidéos puisque ça va être des vidéos que vous n'avez pas forcément besoin de créer. Alors, pour faire ce sourcing, donc on ne va pas utiliser YouTube, comme je vous ai dit, c'est une plateforme peu connue qu'on va utiliser, mais on va utiliser YouTube pour faire du sourcing de vidéos qui sont libres de droit. Alors, on va taper un mot-clé. Donc il va falloir choisir une niche, mais on va prendre cette thématique par exemple funny. Et ici, vous allez aller dans filtre, vous allez sélectionner ici Creative Commons. Comme ça, vous avez l'assurance que ce sont des vidéos libres de droit que vous allez pouvoir utiliser. Et ici, vous avez plein de vidéos libres de droit que vous pouvez utiliser. Donc on va prendre par exemple celle-ci. Donc je vous montrerai également comment trouver la meilleure thématique pour gagner le plus d'argent avec les vidéos qui rapportent le plus. Ici, c'est vraiment pour l'exemple, j'ai tapé funny. Donc par exemple, voilà, funny runner, vous avez cette vidéo, on copie l'URL et tout simplement on va sur un téléchargeur de vidéos, par exemple youdownload.net, vous collez l'URL et vous cliquez tout simplement sur download. Le fichier va commencer à se télécharger, vous allez avoir un bouton ici qui apparaît, save file, il suffit de cliquer dessus et ça y est, vous enregistrez la vidéo. Donc ça y est, vous avez téléchargé votre vidéo, vous avez fait le sourcing sur YouTube, vous n'avez même pas besoin de créer votre propre vidéo puisque c'est une vidéo qui est complètement libre de droit avec les Creative Commons. Ensuite, vous allez aller sur un site qui s'appelle Rumble.com. Il est très peu connu, mais regardez, si on va par exemple sur SimilarWeb et qu'on fait une analyse, il a un énorme trafic, notamment aux États-Unis. Ici, classement mondial, il est 731e, ce qui est pas mal du tout. Et vous voyez, tous les mois, en moyenne, il a plus de 80 millions de visites, ce qui est absolument énorme. Alors, Rumble, vous allez tout simplement dessus, vous vous créez un compte, vous pouvez vous loguer donc avec Facebook ou avec Google ou avec Apple. Si vous voulez vous créer un compte, vous cliquez ici « Create a Rumble account now ». Et ici, vous sélectionnez « Free account » qui va vous permettre également de monétiser les vidéos que vous allez mettre. Donc ici vous mettez votre nom, votre mot de passe, votre email, votre pays, donc France si c'est la France, etc. Et ensuite ici tout simplement, donc ça ce sont des champs optionnels, vous cliquez You agree to all terms and conditions et vous cliquez sur Register, vous recevrez un lien pour confirmer votre email. Donc sur votre email vous cliquez dessus et ça y est, votre compte va être confirmé. Une fois que vous avez activé votre compte, vous allez pouvoir accéder à Rumble. Donc Rumble, en fait, comment ça fonctionne, c'est que vous mettez des vidéos dessus et lui il utilise vos vidéos pour en faire la promotion de la publicité sur des plateformes comme Yahoo, comme AOL, comme MSN, etc. Et vous touchez par exemple 60% de commission sur les gains publicitaires. Donc le gros avantage, c'est que c'est une plateforme qui est encore très peu connue en France, donc il y a vraiment des très bonnes choses à faire et tout est absolument transparent. Vous voyez toutes les vidéos, on montre combien d'argent les personnes ont gagné. Donc ce qui est intéressant ici, c'est d'aller dans viral. Ça va vous permettre de voir quelles sont les thématiques qui rapporte le plus d'argent. Donc vous voyez ici, on voit beaucoup de thématiques d'animaux, des thématiques de chiens, des thématiques d'enfants, etc. Si on regarde un petit peu plus loin, on peut voir, vous voyez, on a une transparence complète. Ici, par exemple, on a une vidéo de 16 secondes qui a rapporté 21$. Et il faut voir ça un petit peu comme un placement immobilier en ligne. C'est-à-dire que chaque vidéo que vous allez mettre ici, eh bien, c'est une sorte de mini-rente qui va vous rapporter régulièrement de l'argent. Donc, vous voyez ici, des fois, il y a des montants qui ne sont pas énormes, mais il peut y avoir, vous voyez, par exemple, ici, on a 38$. Ici, si on descend, vous voyez cette personne, une vidéo de 10 secondes, elle a déjà gagné 274$, rien que par une petite vidéo qui dure 10 secondes. Ici, c'est pareil, 159$, une vidéo d'un chien, ici, qui dure 1 minute 29, ici, 39$. Donc, il y a vraiment moyen, si vous cumulez, vous avez 10, 20, 50 vidéos, il y a vraiment moyen d'arrondir considérablement vos fins de mois. Voilà donc en ce qui concerne ça. Donc maintenant, comment vous faites pour uploader votre vidéo? Il suffit tout simplement de cliquer ici sur Upload or Stream New Video. Donc on va cliquer sur Upload Vidéo. Vous allez uploader la vidéo que vous avez récupérée depuis YouTube. Vous sélectionnez la vidéo, éventuellement vous pouvez la renommer.
vous cliquez sur ouvrir et la vidéo est en train de s'uploader. Donc entre temps, vous pouvez mettre le titre de la vidéo. Donc par exemple, on peut mettre Funny Runner. Après, c'est à vous de trouver peut-être les bons mots-clés. You will love par exemple. Et ici, vous pouvez mettre une description, vous pouvez mettre des tags, donc les tags c'est optionnel mais c'est quand même très très important. Je vous conseille vraiment de mettre des tags pour que vos vidéos soient trouvées. Donc on peut mettre par exemple funny, vous les séparez par une virgule, ici on peut mettre runner, ici on peut mettre street par exemple, ici on peut mettre par exemple training. Bref, vous choisissez les mots clés les plus pertinents potentiellement. Ici vous avez des vidéos thumbnail, donc par exemple on peut très bien prendre celle-ci, cette miniature, et ici, donc vous pouvez cliquer soit sur la planification d'une vidéo ou alors vous cliquez sur upload. Donc ici, il faut également mettre une description. Pour l'exemple, je vais mettre juste cette description. Vous cliquez sur upload et ici, vous allez avoir le choix entre plusieurs options de licence. Donc, personal use, je ne vous le conseille pas parce que c'est non monétisable. Mais celui que je vous conseille, c'est video management, donc qui va exclure YouTube. Même si vous pourriez choisir les autres si vous le souhaitez. Donc, on va prendre un peu plus de sécurité. On va exclure YouTube, même si la vidéo qu'on a récupérée sur YouTube est avec une licence Creative Commons. Pour plus de sécurité, on va prendre ça. Donc, video management. Ici, vous pouvez rajouter, je vous recommande de rajouter de l'information qui est additionnelle mais qui est optionnelle. Mais plus vous allez mettre d'informations, plus votre vidéo risque d'être pertinente. Et ici, vous cliquez sur Agree, aux termes et conditions, et vous cliquez tout simplement sur Submit, et votre vidéo sera en ligne sur Rumble, prête à vous rapporter de l'argent. Donc voilà les amis, c'est aussi simple que ça de gagner de l'argent en copiant, collant des vidéos qui ne vous appartiennent même pas forcément, des vidéos libres de droit que vous récupérez sur YouTube, vous les téléchargez en utilisant un téléchargeur par exemple comme YouDownload, et ensuite vous les mettez sur ce site là, Rumble, et vous allez être commissionné à hauteur, comme vous voyez ici, de 60% sur les gains que votre plateforme va faire en utilisant votre vidéo pour de la publicité, pour la placer sur différents sites publicitaires. Donc si vous avez aimé cette vidéo, que vous avez appris quelque chose, mettez-moi un like, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce type. Je vous souhaite tous mes vœux de succès avec cette stratégie. Je vous souhaite une excellente journée.